Shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce là où vous vous trouvez. La question est, que penser du frère ou de la sœur qui enregistre ses bien-aimés à leur insu? Eh bien, voyez-vous, frère, il est une pratique toute nouvelle qui aujourd'hui s'installe, hein, qui aujourd'hui a pris lieu et place dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le phénomène des enregistrements. Voyez, vous êtes là en train de parler avec un bien-aimé, vous êtes là en train de parler avec une sœur, et à votre insu, le frère ou la sœur se met à vous enregistrer. Quelquefois, c'est au téléphone. Vous êtes en conversation téléphonique avec un frère, avec une sœur, vous ne vous doutez de rien, sans votre autorisation, sans votre consentement et surtout sans vous prévenir. Le prétendu frère ou la prétendue sœur se met à vous enregistrer. Et en général, la personne qui enregistre fait dans l'enregistrement un usage dangereux. Un usage qui est à vocation de déstabilisation à l'encontre de la personne enregistrée. Maintenant, que penser de cela? Eh bien, frère, quand nous prenons Proverbe 3, au verset 29, je vais lire pour vous. « Ne médite pas le malheur quand ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Quand nous rajoutons Zacharie 8, 17, nous voyons dans Zacharie 8, 17, « Que nul en son cœur ne médite le mal quand son prochain. » Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. L'Éternel a ça en horreur. Voyez-vous? Et ceux qui agissent comme ça, qui se servent de conversations privées pour les basculer, pour les transférer à des tiers qui ne sont pas concernés et dans le but de nuire à leur prochain. Ceux également qui enregistrent, voyez-vous, des frères ou des sœurs dans le but de nuire à ces derniers, de façon à agir à l'encontre de ces personnes-là. Eh bien, ceux qui agissent comme ça, bien-aimés, je vais encore vous choquer. Oui, bon, certains d'entre vous sont déjà accoutumés à ce que je puisse les choquer de façon récurrente, mais enfin bon, sont des fils du diable, sont des filles du diable. Ceux d'entre eux qui ne sont pas fils ou filles du diable doivent le prouver en confessant publiquement cette faute et en se repentant, c'est-à-dire en changeant de mentalité, en changeant de façon de voir et en changeant de façon d'agir, voyez-vous, parce qu'autrement, s'il reste dans cette dans ce phénomène qui est très à la mode, hein, qui est surtout dans les méga churches, mais qui s'est infiltré partout, même dans les petites églises numériquement parlant, s'est infiltré. C'est vraiment une pratique qui est de plus en plus persistante, qui est de plus en plus présente, qui est de plus en plus tenace aujourd'hui dans le milieu de l'église. Mais il est temps que cette pratique-là voit son coup brisé par la révélation de Christ, par la révélation de la parole, par la lumière qui vient jaillir au milieu des ténèbres pour chasser ces ténèbres-là. Donc les frères et sœurs qui enregistrent à l'insu des bien-aimés, ou encore qui basculent ou transfèrent des conversations qui leur étaient destinées exclusivement à eux, et les basculent à des tiers dans le but de nuire, ces gens-là sont des sorciers. Ces gens-là sont des fils du diable, sont des filles du diable. À moins qu'ils ne confessent leur péché et qu'ils ne se repentent. Demeurez bénis, shalom.